Mais il n'y a pas tout. Il me demande la couleur violet, mais il n'y a pas couleur violet. C'est la course pour les parents d'élèves, plus que quelques jours avant la rentrée. Armés des listes de fournitures, ils étaient nombreux aujourd'hui dans les rayons. Tout est fait pour les attirer, en particulier le prix, moins cher qu'au début de l'été. On choisit en fonction de la couleur, en fonction du volume et en fonction du rapport qualité-prix. J'ai gardé beaucoup de choses de l'année dernière pour pas trop dépenser cette année parce que ça coûte cher quand même. Prévoyants ou retardataires, c'est dans les dernières minutes que la grande partie des acheteurs se pressent pour compléter la liste. Des trousses pour les enfants et les stylos, les cahiers. Voilà, pas grand-chose parce que j'ai déjà tout commandé sur Internet. On revient de congé et donc on se prend le dernier moment. Hein. Là, pour l'instant, j'ai acheté 3 cahiers. On va continuer. Hein. Depuis quelques années, la manière de remplir son cartable a bien évolué. En plus d'un système de drive, ici, chez ce spécialiste, de plus en plus de commandes se font en groupe, livrées directement dans les classes. Nous sommes sollicités depuis 3 ans par différents établissements qui ont décidé, souvent grâce au groupement des parents d'élèves, de nous soumettre des devis, de nous demander de leur soumettre des devis pour pouvoir fournir à meilleur prix les fournitures à leurs enfants. Quelle que soit la manière, traditionnelle ou moderne, entre la liste de l'école et le portefeuille des parents, on sait qui aura le dernier mot. Pourquoi t'as choisi ça? Parce que j'ai besoin, c'est pour mes écoles. Pour l'école. C'est pour quelle classe? Maternelle. Maternelle.